Passant de l'hiver 1955, pour l'heure nous avions la haute main sur le quartier Saint-Gervais devenu un genre de Venise. Suite à la grande crue du 20 janvier qui élargit les berges, le reflux nous chassa vers le nord-est, la Villette, la Chapelle. Comme nous trouvions salutaire ce naufrage, nous y restâmes plusieurs saisons. Dans ces parages de ports inconnus, ce combat, cette Amérique et la butte Chaumont, Paris bestiaux et la Chapelle Charbon. Du pont de Flandre au pont Marcadet, il y a moins de 2 kilomètres, mais il fallait une pleine journée. Le débit de boisson et le maître, face au long mur noir rue d'Aubervilliers, service des pompes funèbres municipales et les cafés de l'Afrique, sortis de wagons jour et nuit, de garçons et de filles aussi, c'est la révolution la nuit. Les retards dans l'électrification des chemins de fer de l'Est laissaient encore les lourds convois fumants fuir vers la Champagne. Au pont Riquet du département, puits de cornes de brume, aux ateliers du matériel roulant s'essoufflaient les machines, tandis que nous, au bar de l'autorail, de l'escale ou l'ondine, mettions de l'huile sur le feu qui bientôt renverserait la vapeur, la marche des usines, pour que le monde tourne dans l'autre sens. Du pont de Flandre au pont Marcadet, il y a moins de 2 kilomètres, mais il fallait une pleine journée. Le débit de boisson et le maître, au dernier comptoir rue de l'Évangile, les gazomètres dans le soleil levant, relief d'une vaste cuite, il était encore minuit dans le siècle.